Bonjour, bonjour. Les amis, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, dernier épisode de Sea of Solitude. Nous y sommes enfin à la fin du let's play. Je pensais plus y arriver. À un moment, je me suis dit, je prends tellement de temps à les sortir les épisodes que peut-être, je sais pas, l'année prochaine, on aura terminé. Pourtant, il y a 5 épisodes. Mais nous y sommes enfin. On va enfin pouvoir découvrir le vrai visage de Kay. On va enfin pouvoir découvrir la fin de cette histoire assez intrigante. L'histoire d'une fille qui se bat contre ses propres démons intérieurs. C'est un peu l'histoire de toute personne sur cette terre. On se bat tous contre nos démons intérieurs. On a tous des défauts, des qualités. Et c'est ça qui fait ce qu'on est. Mais je pense que vous le savez, il ne faut jamais laisser ces démons prendre le dessus. Jamais. Bref, sur ces pensées fort philosophiques, j'espère que vous êtes prêts pour le dernier épisode de Sea of Solitude. Nous y allons maintenant. On enchaîne donc directement en poursuivant notre petite Luciole, alors qu'il y avait la fille démoniaque. La fille qui est devenue un monstre, frère, ça n'a aucun sens. Et évidemment, on continue avec l'histoire de Jack, son petit ami, qui apparemment était malade. Et je pense qu'on va en apprendre beaucoup plus. Ok. Donc un bail de soirée où il est parti plus tôt. Just our friends and me wondered. I hate parties. Okay. And I'm still called friends. Donc il était potentiellement parano, mais genre très parano. You used to hang out with us almost every night. Mais pas la parano genre ah t'es parano, genre la paranoïa maladive quoi. They make fun of you. They love you. I love you. I'm sorry. Oh non, 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 pas encore les gars, ça va, ça va. Elles font flipper de fou. Ah oh, arrêtez de hurler comme ça, vous faites peur. Non, mais me mets des kicks. Depuis quand tu me mets des kicks? Ok, ok, ok. Cours. Oh, je suis en train de lire, mais je suis désolé les amis, je suis concentré aussi, j'ai peur. Waouh. Mais d'où tu peux faire ça? Aïe 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 aïe, non, ça fait mal. Non 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 non. Mais non. Non mais c'est de la triche un peu ça, non? Il se sentait toujours mieux après un câlin, c'est ce qu'il lui faut. Ok, je suis en train de travailler poupette, je suis en train de faire ma vidéo, ok. T'es trop chiant, vous la voyez pas, mais elle est juste ici là, elle est en train de monter sur mon siège. Oh, ok. Là je peux pas travailler, non? Mais toi arrête de mettre tes kicks. C'est de la triche, elles ont des raccourcis aussi. Aïe. Non, 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 ok, 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 on y va. Hop, hop. Saute. Allez, allez, non, mais non. Mais meuf, mais t'es sérieuse? Cours, Maxime. Mais à chaque fois, c'est ici qu'elle me tape, mais. Attends. Oh là, comment je vais l'intercepter? Vas-y, viens. Vas-y, bien. Et non, je l'ai. Eh ben non. C'était peut-être ça, en fait. Peut-être que je l'intercepte, hein. Attendez, je crois que j'ai avancé. J'avance. Attendez, je suis sur la bonne voie. Je suis jamais allé aussi loin. Vite. Allez, Kay. Oui, on y est, j'ai plus d'espoir. Si tu te foires maintenant, on se foire tout le temps. Allez. Oui. Merci. J'y croyais plus. Wouah, il est trop stylé. Il est bizarre, ça commence à me faire un peu peur. Ah, ça commence. Bah nickel, moi j'ai déjà peur depuis, wow, depuis bien longtemps. Bah ça va, ça fait déjà un moment. Ok, on va suivre Luciole. Pourquoi est-ce que tu m'ignores? Ok. 14 days. Ah oui. 14 days since I heard from you. I didn't know if you were hurt or dead. Did you not think about how I would feel, even for a second? No, Kay. I wasn't thinking about your feelings while I was in the deepest, darkest pit imaginable. Ah, il m'aide pas beaucoup, hein. Not everything is about you. Deepest, darkest, what? You're scaring me, Jack. Please, Kay. Just leave me alone. I'll only cause you pain. No, I love you. You're not alone. I'm here for you. I don't want that. Not anymore. Leave me alone. It's blurry, but I think I remember that. Ah oui, c'est tout récent. It was recent. Ouais, donc le mec, il est... Oh non, il y a encore un truc avec elle. Donc le mec était vraiment très très torturé au niveau de l'esprit, c'est impressionnant. Mais pourquoi? Est-ce que c'est juste une maladie ou est-ce qu'il y avait une raison? Allez les filles, je vous emprunte ça, hein, je reviens tout de suite. Faites pas attention, faites comme si j'étais pas là. Allez, cours quoi. Ouais non, commencez pas, ça va, j'ai assez donné. Hein. Faut que je passe par là. Oh là 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 là. Elles sont derrière? Oh ça va là, non ça va pas du tout. Bien sûr qu'elles sont derrière. Allez, on y est. Là, elle devrait plus pouvoir me choper. Le mur est juste là-bas. Allez, on fait un grand saut.
Alors par contre tu t'arrêtes pas comme ça s'il te plaît. Yeah, c'est bon, on y est. Hop, allez, prends la glace. Vite. Ok. Ça va, ça passe. On est bon. On est très bon. On continue. Pour l'instant c'est beaucoup de pression hein. Il est où? Je l'entends mais je le vois pas. Qu'est-ce qui se passe encore? Oh là là. Ah oui. Wouah. Oh, il fait de la peine. J'ai vraiment l'impression que c'est moi qui le torture. Parce que la petite fille, je suis sûr que c'est mon image à moi. Donc bah mais le truc, comment est-ce que je récupère des morceaux de son masque s'il a plus de masque en fait? C'est compliqué quand même cette histoire. Ça fait vraiment boss final hein. Je doute que ce soit d'ailleurs le boss final du jeu. Ok, ramassez le fragment. On y va. On se dépêche. Non, arrêtez de crier comme ça, vous faites flipper, putain. Ok, venez les filles, venez. On va parler tous ensemble. On va partir de maintenant. Hop. Voilà. Et de 1. Tac. Yes, nickel, on continue. Oh, ça me fait des plateformes. Ah, d'accord, nickel. Oh, il est vraiment, vraiment mal dans sa peau, hein. C'est assez impressionnant. Allez, deuxième. Vite, nickel. Et de 2. Ça va changer les choses ou pas? Ouais, ça me crée d'autres plateformes. Mais non, voilà, pense pas comme ça, mon pote. Mais personne n'est parfait, frérot. À un moment, voilà, je veux dire, bon. Ok, on continue. En fait, ouais, le truc, c'est qu'il se dit que c'est pas une bonne raison, mais le truc, c'est que s'il souffre et que bah il arrive pas à sortir de son lit, c'est que c'est une bonne raison, justement, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et justement, ce problème, faut le résoudre à deux, faut pas le résoudre tout seul. Tu résous jamais rien tout seul. Ou alors avec une énorme volonté, quoi. Aïe. Why should I even bother getting up? Then I go to work. It seems fine. And then suddenly... Ouais, il est malade, quoi. I hate everything. That's okay. That happens to everyone. Allez, c'est le dernier. On y est. It's not about... Bah si, justement, il la concerne. Parce que vous êtes deux, les gars. Du moins, vous êtes deux, tout vous concerne. C'est mutuel, les potes, hein. Ok. En fait, elle récupère vraiment tout le mal des autres avec son sac à dos. J'ai jamais fait le lien, mais... Et là, elle commence à avoir du mal à avancer. On voit qu'à force de récupérer le mal de tout le monde, elle commence à avoir du mal à assumer. Allez, avance, t'es lente, allez! C'est triste, c'est horrible. Laisse-moi venir, t'inquiète pas, j'arrive. J'arrive, mon pote. Voilà. Hey. I need to work on myself now without leaning on someone else. We both do. Do you understand? Kay? No. No. I can figure this out. Don't leave me alone. Let go of me. Wow, mais calme-toi. Ah, la fameuse larme. Okay. Take care of yourself. Oh là là. Ah mais là le sac, ah bah oui. Ah bah là. Dépression. Ah bah le truc c'est que tous les problèmes qu'elle a emmagasinés des autres en fait elle peut plus assumer en fait. C'est trop pour elle, c'est normal, c'est trop pour une seule personne tout ça. Ah, le fameux. Toujours là toi hein. Incroyable. Ouah c'est sombre, je vois rien, c'est chaud. Vous avez vu?
C'est nous maintenant qui sommes entourés de corruption. Je vois rien. Ok. Chapitre 11, isolation, et c'est le dernier chapitre, les amis. Et là, c'est nous-mêmes que nous devons aider. Il n'y a plus de Jack, il n'y a plus de parents, il n'y a plus de frères, c'est nous-mêmes en fait. Mais non. En fait, ça, c'est une image, c'est toute une représentation de la dépression en fait. Mais on est plus fort que ça, on va se sortir. Regardez-moi ça. Il y a une lumière au bout du tunnel, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Ok. Vous voyez ? Il y a toujours une lumière au bout du tunnel, toujours. Non, dis pas ça. C'est fou parce qu'il y a toute une métaphore, hein. Le monstre qui représente la dépression de Kay, cet endroit qui représente aussi la dépression, enfin, c'est assez impressionnant, et le fait que la dépression ne veut pas te lâcher, que la dépression veut te manger en fait, et qu'il faut pas te laisser absorber par ça, qu'il faut se battre tout le temps, et c'est impressionnant. Hein. Oh! Tu te sens mieux là? C'est bon? Ouais, là, un œil violet, un œil bleu. A bit more than just a bad day. It's okay. We're together again. That means something, doesn't it? You're right. I was and always will be by your side, Kay. I promise. I know. From now on, we can do this together. Nah, je préfère ça, tu vois, parce que tu m'avais flippé quand même, hein. We just have to share the burden. It will make you feel lighter. I promise. Oh, okay. Ok. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ok, tirer une fusée. Hop. Oh, ok, d'accord, je peux passer maintenant, c'est bon. Oh. Le monstre poursuit celui qui a ces choses, les corruptions en fait. Ok, c'est revenu sur moi. On va partager ça ensemble, nickel, et on va aller jusqu'au phare là-bas. Hop. Allez, vas-y. Je te fais confiance. Tac, nous on avance. Non, c'est revenu sur moi. Ok, ça passe. Aïe. Hop, tiens, reprends ça. Là-bas. Ok, nickel, nous on passe aussi. Paf, on va se taper la corruption. Allez, avance, nickel. Hop, je te renvoie ça. On se fait un petit tennis en fait, hein, concrètement. Hop, allez, nickel. Tac. Voilà, un peu plus de lumière. Toujours plus de lumière. Et l'eau devrait monter. C'est ça. Oh! Elle est encore là, elle. Est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que tu m'en veux toujours? J'ai pas trop compensé. What? Bah j'ai pas trop envie, mine de rien. Je suis pas rassuré de fou, j'ai pas de mytho. Mais soit, hein, on va te suivre. J'ai toujours ma petite corruption avec moi. La petite fille a disparu par contre, je suis tout seul maintenant. Et il y a l'autre toujours qui est en train de grogner sa race, hein. Ah, t'es là. Ouais, bah vite, doucement quand même, hein. Mais c'est une épreuve de la vie. Ok, on avance. C'est super intéressant la conversation qu'elles ont toutes les deux. Alors, qu'est-ce que tu vas encore me dire? Oh, je l'aime bien en fait, elle est mignonne, je l'aime bien. Elle fait flipper, mais. Elle fait vraiment flipper, mais elle est mignonne, je l'aime bien. Par contre, c'est vrai que là, je me sens vachement solo. Hein. Y'a plus personne. Ok, c'est pas par là, c'est l'autre côté. Ah, te voilà. Alors, qu'est-ce que t'as à me dire encore? Dis-moi. We are almost there. Arrête de te déplacer comme ça là, putain, tu me fais penser à Voldemort, mais moi, ça faut arrêter quoi. Il faut arrêter, faire un effort, je sais pas. Oh!
Hey, là, la petite fille, on y est. Oh, et là-bas, qu'est-ce que c'est que ça, là? Ouais, mon gars, il y a une méduse, c'est quoi ces conneries, là? Ok, va là-bas, allez, fonce. À mon tour, yes. Non, pas à mon tour. Ah, avance, 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 avance. Ok, c'est bon, ça passe. Ah, c'est la grande qui est devenue petite, en fait. Wouah. Mais où est-ce que je suis? Waouh, waouh, waouh. C'est beau, hein. Je vous l'ai dit, il fallait que je le dise au moins une fois par épisode. Mais c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Hop, je te file la corruption, c'est un petit peu lent, ça me saoule. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Vous voyez, c'est, en fait, j'ai l'impression que c'est tous mes démons intérieurs, en fait. La petite, l'espèce de sirène, la Magikarp, là. Au final, la petite fille, c'est un petit peu pareil. C'est encore un de mes démons. Même s'il y a une partie positive en elle, c'est quand même un de mes démons. Donc ouais, c'est ici, c'est tous mes démons réunis, en fait. C'est impressionnant. Tu retransformes pas, hein. Tu ne fais pas le coup, hein. Ok. Oh, c'est beau. C'est triste et c'est beau à la fois, c'est... Bah oui, c'est ça. Allez, c'est parti les amis. Hop. Zéro pitié, hein. Zéro pitié, hein. Aucune hésitation. Et nous y sommes. Il y a encore la petite fille là-bas, elle est toujours là. Par contre, le démon a disparu. Ok. Hop. On va aller là-bas, du coup. Tac. C'est magnifique, hein, toutes ces couleurs et tout. Wow, c'est vachement plus accueillant quand même. Hein. C'est vachement plus accueillant que la dernière fois. Hein. Je dois te suivre ? À la nage ? Ok, bah je te suis. Ah, là il y a un petit Ojimin qu'il faut que j'aille tout en haut de la petite île. Et bah écoutez, on va y aller. On y va, on y va. Hop, voilà. On y est. Alors, qu'est-ce que tu veux me montrer ? On n'est toujours pas redevenu humaine. Hein. On est toujours un monstre, ça veut dire qu'on a toujours pas battu nos démons intérieurs en soi. Et je pense que redevenir nous-mêmes, ça veut dire sacrifier et du coup, bah, passer à autre chose par rapport à cette petite fille. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est trop mignon. Le voilà, le démon qui a grandi en elle. Ah, il est vachement plus mignon comme ça. C'est adorable. Voilà, elle doit accepter qui elle est, elle doit accepter ses démons et... Et à pouvoir devenir une nouvelle personne. Voilà. Et je pense qu'à partir de maintenant, voilà, c'est elle qui va changer. Attention, quel est le vrai visage de Kay actuellement? Je pense qu'on va le voir tout de suite. Et là voilà. Ah, ça fait bizarre de la voir comme ça. Elle est trop belle. Vous voyez, ça c'est une signification énorme. Elle sort la tête de l'eau. Et du coup, elle sort la tête de ses problèmes. Elle avance. Et je pense qu'elle va pouvoir monter sur le bateau maintenant. Waouh. Ah, je m'en doutais. Bah oui. Allez, on y va.
On est clairement sur la fin. Let's go. Et on va pouvoir du coup rejoindre nos parents, notre petit frère. Et avancer, et enfin tourner la page. C'est bien, c'est beau. Bon, je me doute qu'ils sont pas sur le bateau. Qu'ils doivent être un petit peu plus loin, non? Alors... où est-ce que je vais les trouver? Ça fait du bien de la voir comme ça, mine de rien. Ça fait du bien. Elle est vachement plus accueillante, vachement plus souriante. Hein. Par contre, où est-ce que je dois aller? Parce que lui, il est grand, hein, mine de rien. Lui, il est quand même assez grand, on va pas se mytho. Ça va être long si je dois les chercher comme ça. Si je joue à cache-cache, ça va être très long. Oh! Est-ce que je dois vraiment les trouver au final? Est-ce que je dois vraiment les trouver ou est-ce que c'est pas juste les crédits du jeu, quoi? Ah, non. Là-bas, il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? What? Ok. Oh, c'est super stylé, moi je veux passer mes vacances là-bas, clairement. Petit camping, on est bien. Les bateaux. Et là, du coup, on arrive ici. Est-ce que c'est là où sont nos parents? Notre famille? Et que ce soit la musique, que ce soit le... tout est incroyable. Hein. Chapitre 12, Feeling Good. Yes. Oh, cette image commence, c'est la miniature de la vidéo. Elle est magnifique. Et nous y voilà, les amis. La fin de Sea of Solitude. Oh, la fin était magnifique. Je pense que c'est l'épisode que j'ai préféré. Alors, c'est bête parce que du coup, oui, c'est la fin, forcément. Mais je veux dire, pas forcément. Des fois, des let's play où les premiers épisodes sont vachement plus intéressants et la fin est un peu décevante. Et là, je trouve que la fin est magnifique. Elle est pleine de sens. Elle est pleine de métaphores, pleine de choses qu'on doit comprendre par nous-mêmes. Et je la trouve vraiment très, très belle. Pleine de positivité, pleine d'espoir. Et franchement, je trouve que c'est un très beau message que le jeu nous renvoie. C'est qu'il y a jamais... Rien n'est une fin en soi. La fin, c'est seulement vous qui décidez quand est-ce qu'elle arrive. Tant que vous avez de l'espoir, tant que vous pouvez vous battre, c'est jamais fini. Les amis, j'espère en tout cas que ce petit let's play vous aura plu. Ça m'a fait plaisir de vous faire un petit let's play pendant les vacances. C'était assez rapide, mais je trouvais ça cool. Et le jeu m'a vraiment intrigué du moment où je l'ai découvert. Et je suis vraiment pas déçu. Merci d'avoir autant suivi ce jeu. Merci pour tous les pouces bleus. Merci pour tous ceux qui sont abonnés pour suivre du coup cette fameuse petite série. Le prochain let's play, il commencera pour la rentrée. Il commencera aux alentours du 30 août, fin août. Je pense que vous avez compris de quel jeu il s'agit. Mais je vais pas en dire trop pour l'instant. C'est juste un jeu à choix. Je sais que vous aimez beaucoup les jeux à choix. Bref, on va peut-être juste attendre les crédits pour voir s'il n'y a pas quelque chose à la fin, parce qu'il y a souvent des choses à la fin. Et après, on se laissera. Attention, Ellipse, on se retrouve à la fin des crédits. Eh hey, évidemment. C'est Jack? Oh, 100% c'est Jack, 100% 100% c'est Jack qui, lui, du coup, doit battre des montagnes, parce qu'au final, c'est le seul qu'on n'a pas sauvé. C'est le seul qu'on n'a pas sauvé, c'est Jack. Il veut gérer ses problèmes tout seul, à la manière de Kay, qui a géré ses problèmes seul. Et du coup, il va se battre avec ses propres soucis. Est-ce que ça veut dire un autre jeu où on incarnera Jack? Je sais pas. Mais waouh, c'est trop bien quand même d'avoir une fois comme ça. Franchement, le dernier épisode me comble totalement. Je suis trop content. Les amis, j'espère en tout cas que tout ça vous aura plu encore une fois. Je vous fais de gros gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous en avez pensé, ce que vous en avez ressorti de ce let's play. Peut-être que si on a aidé certains d'entre vous qui sont dans cette situation à y voir peut-être un petit peu plus clair sur vos problèmes, un petit peu plus clair sur la façon de voir les choses. C'est peut-être qu'un jeu, oui, mais je trouve qu'il apporte beaucoup de bonnes choses et peut-être que cette série vous aura aidé, on sait jamais. Abonnez-vous à la chaîne, le petit pouce bleu, n'oubliez surtout pas qu'une journée sans rire est une journée perdue, alors souriez. C'était Sora, très très vite, au revoir tout le monde.